You don't have to be alone again, could I? Take you by the hand and never grow, would I? Tell you that I love you. Coucou, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire ensemble mon bullet journal du mois de décembre. You don't have to be alone again, could I? Si jamais vous voulez voir mon bullet journal du mois de novembre, étant donné qu'il n'est pas en vidéo YouTube avec vous, je vous invite à me suivre sur Instagram et Facebook où j'ai publié toutes les pages. J'ai préalablement fait les dessins car c'est une étape très longue. Donc là, on a la page de couverture. J'ai pré-tracé des tableaux, je ne sais pas si vous verrez bien vu que c'est au crayon. Et tous les petits dessins sont déjà réalisés. Là, on a les semaines. Je vais faire une page pour le Christmas Coloring Challenge de Morgane. Et voilà, ce sera la dernière page de décembre. Donc là, je vais mettre en couleur les dessins.
We go ho, ho, ho in the chimney tonight. We gon' leave your sleigh just a little on the side. Santa Claus, Mr. Claus, you ain't right. You're the one Christmas gift. Your friends do too. Just ask your elves. Been real good this year, I'd say. I've scored enough to ride your sleigh. Have I been naughty or nice? That list of yours, just check it twice. We go ho, ho, ho in the chimney tonight. We go leave your sleigh just a little on the side. Just let it ride. No point in letting this subside. Une fois que les illustrations sont terminées, je passe à la décoration. Je commence par poser mon marque-page mensuel, donc en l'occurrence le mois de décembre 2020. Je le mets à la suite des autres. Je suis allée chercher quelques rouleaux de masking tape qui me faisaient penser à Noël et à la décoration que j'ai choisie, ainsi que des petits bouts de papier qui étaient dans des cahiers spécial bullet journal pour Noël. J'en ai pas pris trop parce qu'à chaque fois j'en découpe trop et j'ai pas la place de tout mettre, donc je suis restée soft pour cette fois. Et maintenant il suffit de décider comment décorer les pages et c'est ce que je vais faire tout de suite. Et voilà pour la page de garde du mois de décembre. On passe à la suite. Recoucou, on est le lendemain. J'ai un petit peu avancé hors caméra parce que ça n'avait rien de très intéressant. En fait, j'ai juste mis les fonds à mes semaines. Pour cela, j'ai pris des crayons Arteza. J'ai fait un peu à l'arrache le contour et puis j'ai blendé avec mon blender Derwent. Bon, on voit plus parce qu'il commence à vraiment être petit, mais j'ai blendé avec ça.
Donc aujourd'hui, on va s'atteler à la page mensuelle. Ensuite, on mettra quelques petites décos pour les pages de semaine. Et j'espère finir mon mois de décembre aujourd'hui. Donc ça, c'est pareil, comme ce petit élément-là, ça provient des livres Action de Craft Bullet Journal. We gon' ho, ho, ho in the chimney tonight. We gon' leave your sleigh just a little on the side. Santa Claus, Mr. Claus, you ain't right. You're the one Christmas gift I can buy. We gon' ho, ho, ho in the chimney. Your friends do too. Just ask your elves. Been real good this year, I'd say. I've scored enough to ride your sleigh. Have I been naughty or nice? That list of yours, just check it twice. We go ho, ho, ho in the chimney tonight. We go leave your sleigh just a little on the side. Just let it ride. No point in letting this subside. We go ho, ho, ho in the chimney tonight. We go leave your sleigh just a little on the side. On the side, on the side, on the side. Santa Claus, Santa Claus, Mr. Claus, Mr. Claus, you ain't right. You're so naughty. You're the one Christmas gift. We go ho, ho, ho in the chimney tonight. Santa Claus, Mr. Claus, you ain't right. You're so naughty. On n'a pas fait le mois dans son intégralité intégrale ensemble, donc on a fait la page de garde, la vue mensuelle, les weekly, la page du Christmas Coloring Challenge, je la laisse tout simplement parce que je la ferai en fin de mois. Je vais récapituler les thèmes que j'ai fait et le menu que j'aurai réussi à obtenir. Sinon le reste ce sera juste écrire du texte, je vais pas vraiment beaucoup décorer. Donc j'y vois pas trop d'intérêt de la faire en vidéo. Concernant les recettes que j'avais prévu de faire ici, c'est pareil, ce sera au cours du mois. Je vais écrire les recettes que j'aurai trouvées et faites et approuvées
sur internet, je vais les retranscrire ici sans vraiment trop de décoration. Et là, ce sera mes souvenirs du mois de décembre avant de passer à l'année prochaine. Donc ça, je ne peux pas le savoir en avance. C'est donc tout pour ce mois. Et on se laisse là pour cette vidéo. Si jamais le concept vous a plu, nous ferons ensemble mon passage de l'année 2020 à l'année 2021. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, sinon je ne pourrais pas le savoir. Et si jamais vous n'avez pas le temps de laisser un commentaire, à mettre un petit like. Sur ce, c'est tout pour moi. À plus !